Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que le bruit dehors vous dérange pas trop. Alors cette semaine je vous retrouve pour un nouveau vlog lecture. J'ai commencé deux livres, un que j'aime beaucoup, un autre un peu moins, mais je vais vous montrer les deux livres que je suis en train de lire. Alors le premier c'est une biographie d'une des autrices au programme de l'agrégation. C'est la biographie de Marceline Desbordes-Valmore par Stefan Zweig, je pense que ça se prononce Stefan Zweig. Donc j'en attendais beaucoup parce que Zweig écrit vraiment très bien en général. J'avais lu La lettre à une inconnue et un autre livre, mais je ne me rappelle plus lequel, de Zweig, et j'avais aimé. Bon, après, comme d'habitude, c'est en traduction, donc c'est forcément un peu problématique de traduire. C'est toujours difficile de rendre quelque chose d'une langue à l'autre. Mais il y a vraiment des choses qui m'ont un peu surprise. On a des passages qui ne passent plus très bien aujourd'hui, on va dire. Par exemple, il raconte que quand Marceline et sa mère sont arrivées en Guadeloupe, il y avait des révoltes parmi les esclaves. Zweig raconte ça, mais de manière un peu raciste, on va dire. Je vais vous lire le passage pour que vous compreniez un peu pourquoi j'ai tiqué quand j'ai lu ça. Les Noirs sont comparés à des animaux, à des bêtes sauvages. Je vais fermer la fenêtre quand même. Hein. Ma chambre, elle est vraiment pas pratique pour filmer parce que j'ai la fenêtre là. Mais mon lit est derrière et du coup j'ai pas la place de mettre un trépied et de m'asseoir. Ni de mettre un trépied et d'être debout d'ailleurs. Bon du coup désolé, vous serez en contre-plongée. Super cadrage Maureen, bravo. Allez, je vous lis le passage du coup de Zweig qui est un peu raciste à mon goût. Elles apprennent cette effroyable nouvelle. La Guadeloupe n'est plus sous domination française. Un soulèvement des nègres asservis a ravagé l'île. Et leur cousin, le riche propriétaire de plantation en qui elles avaient mis toutes leurs espérances, a été l'un des premiers massacrés par cette meute en furie. Sans savoir que faire, désorientées, les deux femmes sont là sur le rivage, seules, dans un monstrueux chaos d'hommes et de choses. La mère n'a pas à s'inquiéter longtemps, la fièvre jaune dès les premiers jours l'emporte avec ses désillusions, et maintenant Marceline, qui n'a que 14 ans, se trouve toute seule, à milieu de sa patrie, parmi des créatures et des étoiles étrangères, à la merci de la compassion ou du mauvais vouloir de personnes qu'elle ne connaît pas. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je voulais juste vous parler d'une problématique que j'ai rencontrée ces derniers jours par rapport au segment que vous venez de voir et d'un questionnement en fait que j'ai depuis plusieurs jours et que j'essaye de résoudre parce qu'en fait vous avez dû entendre que pendant ma lecture du texte de Zweig j'ai prononcé le N-word et en fait quand je me suis entendue le dire au montage ça m'a vraiment fait bizarre et ça m'a dérangé de l'avoir dit. Après c'est pas mes mots à moi, jamais je n'utiliserai ce mot à mon propre compte parce qu'il porte des connotations horribles que je veux pas perpétuer. Voilà, jamais j'utiliserai ce mot pour moi, je lisais un texte que je voulais dénoncer pour son racisme. Même si c'était pas mon mot à moi, je me suis quand même posé la question de est-ce que j'ai le droit de le prononcer, même pour le dénoncer. Je voulais vous faire part un peu de ma réflexion ces derniers jours. Si ça peut amener une réflexion commune, ça peut être vraiment bien. Mais du coup, voilà, quand j'ai vu ce segment de la vidéo, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je supprime tout le segment parce que j'ai pas envie qu'on m'entende dire ce mot? Mais bon, ça aurait été contre-productif parce que mon but c'était de dénoncer le racisme de ce passage et je peux pas faire ça si je supprime la partie de la vidéo. Donc voilà, c'était juste pas possible de prioriser mon propre confort par rapport à la cause que je voulais défendre. Donc voilà, ça c'était pas possible. Après je me suis dit est-ce que je mute le moment où je dis ce mot? Mais en fait je me suis rendu compte que c'était peut-être encore plus irrespectueux et de toute façon contre-productif puisque bah, il faut regarder la vérité en face, c'est que Zweig il a écrit ce mot et que le traducteur l'a traduit comme ça parce que au final le traducteur il a peut-être été face à la même problématique que moi. J'espère que vous comprenez un peu mieux pourquoi j'ai décidé de garder ce petit segment de la vidéo. Tout le passage était raciste, donc en fait tout ce que j'ai lu était raciste et il y a d'autres mots qu'il a utilisés qui étaient horribles et vous avez vu dans le moment où je lisais que j'étais vraiment agacée et choquée par les mots qu'il emploie. Donc voilà, si c'était ça j'aurais pu aussi bien ne pas lire du tout le texte, mais je pense que c'est important de montrer petit à petit les choses racistes quand on les remarque pour que ça reste pas normal. J'espère que vous comprenez ma décision d'avoir gardé le petit passage et que j'ai pris la bonne décision. Et en fait ce matin j'ai vu une vidéo très intéressante d'Histoire Crépue, je sais pas si vous suivez ce compte Instagram et cette chaîne YouTube, c'est un étudiant qui parle de toutes ces questions, du racisme en France, de la colonisation, etc. C'est une des trois dernières vidéos qu'il y a sur son Instagram. Et en fait, c'est grâce à cette vidéo que je me suis un peu décidée à garder le segment aussi. Parce qu'il explique que pour pouvoir vraiment commencer à poser ces questions
à les prendre au sérieux et à vraiment essayer de déconstruire le racisme en France et notre passé colonial, etc. Il faut se déculpabiliser pour pouvoir dénoncer vraiment les problèmes. Donc j'ai essayé de faire ça en gardant cette section et de pas favoriser mon inconfort face au problème. Et puis je voulais surtout pas disculper le texte et les mots qu'il emploie. Donc voilà, le pire ça aurait été de l'enlever ou de le muter parce que ça aurait en quelque sorte disculpé le texte, ça aurait disculpé l'auteur. Ce que je voulais pas faire. Voilà, l'intention derrière la lecture de ce texte était justement de dénoncer le racisme dans un texte qui d'ailleurs n'a rien à voir avec ça. L'autrice dont le texte parle, dont le texte fait la biographie, était d'ailleurs, je crois, investie dans cette cause. Donc c'est d'autant plus choquant. Je voulais juste préciser ça pour être sûre que tout le monde ait bien compris et que vous sachiez que c'est pas par ignorance ou par naïveté que j'ai gardé ce passage. Voilà. Ah, et du coup, je vous invite aussi beaucoup à aller vous renseigner sur ces questions et à aller voir la chaîne et la page Instagram d'Histoire Crépue, parce que c'est une mine d'informations et ça donne plein de pistes de lecture d'autres textes sur la colonisation, sur le racisme, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos. Je vous laisse avec la suite de la vidéo maintenant. Et le pire, c'est que quelques pages plus loin, il animalise aussi la femme. Alors c'est une description de Marceline qui se veut tendre et élogieuse, etc. Mais en gros elle est comparée à un faon sans défense et genre, je trouve ça un peu... Enfin ça m'a un peu fait cringer. Que ce soit positif qu'elle ait l'air sans défense et... Je sais pas. Quelque chose de surnaturel et de doucement sentimental fut sans doute alors une de ses particularités. Quelque chose de la mystérieuse magie des animaux qui symbolise la tendresse. Quelque chose de la grâce touchante des chevreuils, de la légèreté ailée de l'hirondelle. Quelque chose de la beauté sans pareil des êtres sans défense à qui la nature a refusé toute arme pour leur donner en compensation ce charme de l'âme qui appelle l'émotion et la compassion. Et de ce fait, les personnes sans défense, celles qui souffrent, les innocents, en butte à la justice, tels sont les rôles alors attribués à Marceline. Après, c'est un topos hein, de comparer la femme à un oiseau, à un animal et tout, mais je sais pas. Aujourd'hui, je trouve que ça sonne plus très bien. Donc bon, pour l'époque, ça devait sûrement être... normal, mais maintenant ça l'est plus et tant mieux on va dire. Mais bon, sinon c'est assez intéressant parce qu'il incruste des poèmes ou des vers dans sa biographie et du coup on peut voir un peu comment la poétesse est née de la jeune femme qu'elle était. Et bon, après ça donne un petit défaut de biographisme à l'analyse de l'œuvre de Marceline par Zweig. Je pense que Proust aurait pas du tout fait la même biographie, mais d'un côté, bon, je pense que pour Marceline c'est pas trop dérangeant parce que sa poésie est vraiment très sentimentale et c'est vrai que elle s'inspire beaucoup de sa vie amoureuse, etc. pour écrire, donc ça permet de donner un peu des clés de lecture et de compréhension. Surtout que le but d'une biographie, c'est de comprendre la femme et la poétesse plutôt que sa poésie. Donc en fait, je pense que ça revient plutôt à analyser la femme à travers sa poésie que la poésie à travers la vie de la femme. Donc bon, ça me dérange pas trop. On va voir ce que ça donne, si ça devient un petit peu mieux, j'espère. Donc je vais essayer d'en lire un petit peu tous les jours, ça, 2-3 chapitres, parce que c'est des chapitres très courts. Ça, c'est une des lectures pour cette semaine. Et la deuxième lecture que j'ai commencée, par contre, pour l'instant, c'est trop bien. Je suis à fond dedans. C'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. The Seven Husbands of The Seven... C'est dur à dire, il y a beaucoup de « et ». The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Voilà, par Taylor Jenkins Reid, et ce livre-là, je l'ai vu partout depuis que je regarde Booktube. Il y a beaucoup de gens qui le recommandent, notamment Jack Edwards, que j'aime beaucoup et je trouve qu'il a très bon goût. Donc j'ai acheté ce livre, et franchement, pour l'instant, j'adore. Si vous avez vu la mini-série Hollywood sur Netflix, vous allez adorer ce livre, je pense. Ça se passe donc à peu près de notre temps. Et ensuite, une journaliste qui s'appelle Monique, et en fait... Il y a une grande star du cinéma qui est âgée maintenant, qui a demandé au journal dans lequel travaille Monique de faire une interview, mais uniquement avec elle. C'est-à-dire qu'elle veut parler à aucun autre journaliste à part Monique.
Donc on a un peu ce suspense-là de savoir pourquoi. Monique se rend chez cette Evelyn qui est vraiment une grosse star. Si on avait encore Marilyn de nos jours, ça serait l'équivalent. Donc c'est comme si Marilyn demandait à une journaliste random de faire un article sur toute sa vie où elle dévoile toute sa vie, tous ses secrets, toutes ses relations, où elle répond à tous les dramas, à toutes les histoires qui ont été dites sur elle, etc. Ce que les gens se demandent le plus à propos de cette Evelyn, c'est qui était l'amour de sa vie, puisque elle a eu 7 mariages et 7 maris. Pendant l'interview, elle va raconter à Monique, chacun leur tour, ses 7 mariages. Moi j'en suis à la page 115, chapitre 18. J'ai fait pas mal d'annotations déjà, comme vous pouvez voir. Et pour le coup, on est dans un totalement autre registre que Zweig, puisque la phrase d'adresse au début du livre, c'est pour Lila. Smash the patriarchy, sweetheart. Bon. Du coup, le sexisme là, ça va être par la fenêtre. Et le racisme aussi d'ailleurs, parce que Monique est une jeune femme métisse, il me semble. Et Evelyn est d'origine cubaine. J'espère que je me trompe pas. Si je me trompe, je rajouterai un petit quelque chose sur l'écran. Mais voilà, donc on a des commentaires sur la place de la femme dans les années 60 à Hollywood, sur... ce que c'est de grimper l'échelle sociale à l'époque, dans cette société-là, quand on vient d'une famille d'immigrés. Et puis, évidemment, je pense qu'on va avoir des commentaires assez intéressants sur l'amour et tout ça. Du moins, j'espère. On verra bien. Du coup, si vous voulez savoir mon système d'annotation pour le livre, j'ai 9 couleurs de post-it. Donc la première, c'est pour les références à d'autres œuvres ou l'intertextualité. J'en ai pas remarqué énormément, mais il y avait quelques petits trucs au début. Pour les citations inspirantes / girl boss. Une pour les commentaires sur la question raciale. Une pour tout ce qui est amour et sexualité. Une pour le développement des personnages. Une pour les citations qui pourraient être sur Pinterest, quoi. Les citations que je veux retenir, une pour tout ce qui est prédiction et effet d'annonce quoi dans le livre, une pour tout ce qui parle de journalisme. Alors il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus au début, mais pour l'instant plus trop, donc on verra si ça revient. Et le dernier post-it, c'est pour le style de l'autrice, quand je suis là, waouh, c'est trop bien écrit. Donc ça, c'est mes lectures. Maintenant, aujourd'hui, il faut absolument... Je suis méga à la bourre. J'étais censée être à la bibliothèque à 9h, il est 10h15. En plus, j'ai fait mes cheveux, mais il pleut, donc c'est super. Donc ce matin, je vais à la BIS, la bibliothèque de la Sorbonne, parce que je dois aussi emprunter des livres pour une copine. Et après, je vais aller manger un petit bout. Et cet après-midi, j'irai à la bibliothèque Sainte-Barbe. J'ai bien aimé la dernière fois que j'y suis allée. Donc je vais y retourner cet après-midi. Allez, je vais finir mon sac et je vous emmène avec moi. Cause I
peu fatiguée. En fait, je suis rentrée plus tôt que prévu parce que j'avais mal à la tête. J'avais oublié mes lunettes et du coup, j'ai vite mal à la tête. Surtout qu'il pleut et tout. Et je sais pas vous, mais moi, quand il pleut, j'ai plus facilement mal à la tête aussi. Donc, à 16h, j'en pouvais plus et de toute façon, j'arrivais plus à me concentrer. Donc, je suis juste rentrée à la maison et là, j'ai fait une petite sieste. Je suis en train de préparer un risotto pour ce soir. Ça fait un bail que j'en ai pas mangé. J'ai pas tous les ingrédients qu'il faut, mais c'est pas grave. Mais je me suis dit que je pourrais vous filmer un petit haul des livres que j'ai achetés ces dernières semaines. Ça faisait un moment là que j'avais rien acheté et la semaine dernière je me suis pris 4 livres et je sais pas, genre j'avais envie de vous raconter ça et de vous montrer les livres que j'ai trouvés récemment. Du coup bah voilà, je sais pas, là j'ai envie de parler à la caméra et de finir cette journée là dessus je sais pas dans quel ordre vous les montrer. Peut-être un peu dans l'ordre d'ancienneté dans lequel je les ai achetés. Alors le premier livre, je l'ai acheté il y a un moment quand même. Et je sais pas si je vais pas le garder pour cet été, parce que cet été je vais faire un voyage et je sais pas, je pense que ça me mettra dans un bon mood par rapport au voyage, même si l'histoire se passe pas dans la ville où je vais exactement. Ce livre c'est Hamnet de Maggie O'Farrell. En fait ça raconte la vie du fils de Shakespeare, il me semble. En fait, on a un peu une biographie fictionnelle de Shakespeare, mais à travers la vie de ses proches. Et du coup, je pense que ça va être super intéressant. J'ai entendu dire que c'était vraiment très très bien écrit et que c'était très très beau. Ça fait partie de ces livres qu'il faut acheter neufs parce qu'ils sont tout récents. C'est comme Evelyn Hugo, qui fait partie de Soul, mais du coup, j'en ai déjà parlé ce matin. C'est les couvertures velvet comme ça, toute douce, et j'adore. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça, mais je pense que je vais me le garder pour un peu plus tard. Et il y a des petites enluminures sur les premières pages du chapitre. Je vais peut-être mettre le micro, attends. Bon, je pense que ce sera mieux. J'ai plus masse de batterie aussi, donc à mon avis, je vais devoir changer la batterie bientôt. On a Annette, on a The Seven Husbands of Evelyn Hugo, j'y arrive mieux que ce matin. Marceline de Tsvay. Ensuite, un que j'ai acheté il y a un moment aussi, c'est Nuit d'ambre de Sylvie Germain. C'est la suite du livre des nuits. Il me semble qu'elle l'a écrit beaucoup plus tard. J'ai vraiment hâte de le lire, même si là, bon, j'ai lu un de ses livres il y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé, je crois, dans le dernier vlog. Donc, je vais pas le lire tout de suite. Je pense que je me le garderai pour la fin de l'année ou pour l'année prochaine. Je vous lis juste les dernières phrases de la quatrième de couverture. Après le livre des nuits, Sylvie Germain nous offre ici une œuvre foisonnante d'épisodes étranges, dont chaque page semble traversée par un souffle d'apocalypse, et où, comme le dit Schelling, la vérité redevient fable et la fable vérité. Donc voilà, j'aime trop cet aspect-là de ses livres à elle. Du coup, j'ai aussi très très hâte de lire la suite d'un de mes livres préférés de l'année dernière, et en fait de ces dernières années tout court. Ensuite, j'ai acheté Dracula de Bram Stoker. Il faut vraiment que je le relise dans un prochain temps parce que je l'avais lu en quatrième quand on faisait le thème du monstre en littérature, et je pense qu'on avait dû lire une version abrégée parce que je me rappelais pas qu'il était aussi gros, et j'ai trop hâte parce que je pense que ça va être une expérience complètement différente de le lire en anglais et en entier. Même si j'avais déjà beaucoup beaucoup aimé, en fait c'était pas du tout l'histoire à laquelle je m'attendais, et ma partie préférée, en tout cas celle que j'avais préférée quand j'avais lu le livre en quatrième, c'était la partie dans le château,
au début. Mais en fait, quand j'y repense, je me dis que je vais aussi beaucoup aimer la deuxième partie maintenant. Parce que, je sais pas, là je viens de penser à ça, mais ça va peut-être être un peu les mêmes vibes que The Secret History. Je sais pas pourquoi, genre, les amis comme ça qui essayent de... Enfin, qui ont des bails un peu sombres avec... Bon, là c'est avec un vampire, c'est pas un vrai meurtre, mais... Il y a du fantastique alors que dans The Secret History, il y a pas de fantastique. Mais je sais pas, ouais, bref. J'ai hâte de le lire, ça ce sera un dont je referai peut-être la couverture, même si... En vrai, j'aime bien le côté film vintage, un peu comme ça, du livre. Ces éditions-là, elles sont souvent d'occasion à Gibert. Un peu un plaisir coupable. J'ai acheté Origin de Dan Brown. Je l'ai aussi acheté à d'occasion. Et en fait, c'est le seul Dan Brown que j'ai pas encore lu. Je sais pas s'il va me plaire. Je sais même pas de quoi il parle, en fait. Mais ça devrait être super cool, comme d'habitude. Ça va être un truc que je vais lire cet été, quand je serai en vacances, je pense. Un livre qui va se lire vite, je pense. Mais j'ai hâte, parce que... J'aime vraiment beaucoup les Dan Brown, même si c'est pas très historiquement valable, on s'en fiche. Et le dernier, en fait, je l'ai acheté aujourd'hui. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, dont j'ai vraiment entendu dire que c'était un pur chef-d'œuvre. Et c'est pas le genre de livre vers lequel je serais allée automatiquement toute seule comme ça. Donc merci internet pour les recommandations. Mais ça a l'air juste incroyable. C'est A Thousand Splendid Suns de Khaled Hosseini. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça a l'air ouf. Alors je vais vous lire du coup le dos, mais je vais pas traduire parce que j'ai un peu la flemme. Je traduirai à l'écran. Miriam is only 15 when she is sent to Kabul to marry Rashid. Nearly two decades later, a friendship grows between Mariam and the local stranger Leila, as strong as the ties between mother and daughter. When the Taliban take over, life becomes a desperate struggle against starvation, brutality, and fear. Yet love can move people to act in unexpected ways and lead them to overcome the most daunting obstacles with startling heroism. Ah, l'auteur est comparé à Dickens. J'arrête de parler, je vais me coucher. En tout cas, cette journée se termine bien. Avant, on regardait des lives, des rediffusions de lives de Charlie, et ça fait du bien juste d'entendre de la musique. Je suis un peu dans le même mood que, vous savez, quand on fait une soirée pyjama ou qu'on a une copine ou un ami qui vient à la maison et qu'on parle jusqu'à 2h du matin. On regarde notre téléphone ou dans le moins, on se rend compte, oups, il est 2h. En tout cas, c'était le bon jour pour lisser mes cheveux. Hein. Franchement, ça ressemble plus à rien. Parce que j'ai pris la flotte, c'est pour ça que j'ai pas trop filmé d'ailleurs ce matin, quand je voulais pas sortir l'appareil photo, parce que je me suis dit si prends l'eau, ça va pas être fun. Mais bon bref, allez Maureen, va te coucher maintenant, ça suffit. Vous update un peu parce que hier j'ai pas trop filmé. J'ai regardé Little Women, la version avec Timothée Chalamet, Saoirse Ronan et comment elle s'appelle, Florence Pugh. Comment je peux oublier son nom? Et c'était vraiment trop bien, je l'avais jamais vue. J'aimais déjà la version antérieure, le premier film, mais je sais pas, je trouve que celle-ci elle a un petit côté qui... Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait des espèces de flashbacks, flash-forward et tout. Elle est encore plus nostalgique, je trouve. Enfin, je sais pas. J'ai beaucoup aimé, en tout cas. Et puis, après, il y a Sarah qui est venue. Elle devait nous ramener sa guitare parce qu'elle avait des travaux dans son appart aujourd'hui. Et du coup, il fallait que quelqu'un garde la guitare. Donc, on a gardé sa guitare. Et puis, on a pris des pokéballs en bas de la rue. Et on a papoté, tout ça. Elle m'a tiré les cartes parce que Sarah, elle s'est... Elle a un tarot et elle s'est tirée les cartes et du coup elle a fait ça et c'était assez lumineux. Je sais pas si vous croyez à ce genre de choses. Je sais même pas si moi-même j'y crois, mais en tout cas à chaque fois qu'elle m'a fait une lecture, c'était...
pile poil ce qui se passait à ce moment-là dans ma vie et tout. Je sais pas si on interprète juste les cartes en fonction de de ce qu'on a en tête au moment où on nous les lit. En tout cas, ça donne toujours des clés de lecture de notre propre vie. Vendredi, et aujourd'hui je vais vlogger, promis. Hier et avant-hier, j'ai un peu vlogué qu'à moitié parce que c'était des journées un peu dures, et puis de toute façon, j'ai eu deux fois des cours particuliers, donc je pouvais pas vous emmener à mes cours particuliers, et puis c'était pas forcément très intéressant quoi, je faisais mon mémoire ou voilà. Mais aujourd'hui j'ai une bonne journée de prévue. Ce matin j'étais à la salle de sport et il y avait vraiment personne. Je pense que tout le monde y allait hier vu que c'était férié. Il est 11h08 maintenant, j'ai pris ma douche et tout, je me suis préparée. J'ai un chat dans la gorge ce matin. Ouais, journée assez cool aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec Sarah et Zachary à 14h, on va aller dans un café que Sarah aime bien pour travailler. Ensuite... À 20h, je vais voir les producteurs. C'est une comédie musicale qu'ils ont montée à Paris, une comédie musicale de Broadway. Je la connais pas beaucoup, je crois que c'est une pièce assez ancienne. Il me semble que c'est les années 60, 70, quelque chose comme ça. Enfin, un peu la même époque que Chantons sous la pluie et tout ça. La dernière fois que j'ai vu une comédie musicale sur scène, je crois que c'est quand j'étais à Londres en 2015. Donc ça date. J'ai pris la place tout devant, la place 1, rang 1. C'est pas forcément la meilleure place pour admirer le spectacle, mais du coup je vais être tout près, je vais pouvoir voir ce qu'ils font et tout, et analyser un peu vu que je verrai de tout près, et ça va être chouette. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça va être une très bonne journée. Là je pense que ce que je vais faire en attendant qu'il soit 14h, c'est que je vais lire un chapitre dans chacun des livres que j'ai entamé. Il y en a 3 maintenant, et je mangerai pas trop tard parce que j'ai pas déjeuné ce matin, j'ai mangé juste une banane vu que j'allais au sport. Je vais finir des bolos que j'avais fait hier. Allez, c'est parti, go lecture. You are like a garden. Who you are is what you grow. Started with a seed, then carefully nurture it year after year. Watch it slowly changing with the seasons. Braving through the drought and cold. It all happens with the reason. 'Cause one day your buds turn to blossoms and they all say, wow, look at her now. Can't even walk outside without the sweetness of her scent around. Can't stop her now. Planted her roots deep in the ground. Like magnolias in the spring, I open up my petals to the sky. Soaking in the watercolors like bloom. And even if it takes some time, well, flowers never rush to grow divine. Patiently in watercolors they bloom, bloom. Every other garden you come across along the way will look a little different. Remember that every flower grows in her own way. And just because a snowdrop blossoms in the winter. Je me suis dit que j'allais vous update un peu sur du coup la journée d'hier et la soirée surtout, parce que je pouvais pas filmer pendant le spectacle évidemment. J'ai passé la matinée à lire The Seven Husbands of Evelyn Hugo, et c'est vraiment un coup de cœur. Je pensais pas du tout qu'il aborderait certains des thèmes qu'il aborde, parce que j'étais partie en pensant qu'on serait dans une histoire très hétéronormée. Et en vrai ça m'aurait pas forcément dérangé parce que c'est vrai que à l'époque à laquelle ça se passe c'était beaucoup ces histoires là, et même dans les films sur l'époque et tout ça, ou de l'époque même, c'est plutôt des relations hétéronormées qu'on voit. Je pensais que ce serait suffisamment intéressant voir une femme dans un univers d'hommes qui essaye de trouver l'amour alors que cet univers, il est peuplé un peu de prédateurs et de gens qui cherchent à abuser de leur pouvoir sur elle. Mais en fait, on a aussi des thèmes queer et des personnages queer. Et ça fait super plaisir. Y a des choses que j'ai lues dans ce livre que je me suis rendu compte que j'avais jamais lues avant. Et ça m'a un peu choquée. Je veux pas trop spoiler, mais des scènes... je vais le dire parce que sinon je peux pas expliquer.
Donc si jamais vous voulez pas être spoilé, vous passez, je vous mettrai un timestamp. Des scènes du coup romantiques, érotiques entre deux femmes que... Enfin, je me suis rendu compte que j'avais jamais lu ça. On voit de plus en plus des relations homosexuelles entre hommes. Mais entre femmes, c'est vrai qu'on n'en voit pas encore beaucoup, beaucoup. Et du coup, bah, je sais pas, j'ai trouvé ça super beau. Et c'est peut-être parce que je lis beaucoup de classiques et que... Vu que souvent ils ont été écrits il y a longtemps, ben on trouve pas trop ça dedans. Mais en tout cas, je trouve que c'est très très bien écrit. Les personnages sont vraiment intéressants. Le chapitre 28, je vais pas non plus trop spoiler, mais vraiment ce chapitre-là, le storytelling est parfait parce qu'on entend vraiment la voix d'Evelyne sans entendre forcément la voix de l'autrice. Ce chapitre-là, il m'a soufflé. C'était vraiment trop bien. Là, j'en suis du coup, ben, juste avant le chapitre 29, j'en suis à peu près à la moitié. Et pour l'instant j'aime beaucoup. Alors j'ai vu sur Instagram certains comptes reprocher qu'elle abordait certes des thèmes intéressants et peu abordés dans la littérature sur cette époque et tout ça, mais qu'elle allait pas forcément au fond des choses. Bon, j'ai pas fini le livre donc je peux pas non plus trop me prononcer pour l'instant, mais c'est vrai que par exemple un moment a été évoqué la question de l'illégalité de l'homosexualité aux États-Unis. Bah, je pense que du coup ça se passe dans les années 50 parce que j'ai fait mes petites recherches et... certains états ont légalisé l'homosexualité en 1962. Cette phrase, elle est folle. Qu'il faille légaliser l'homosexualité, what? Bref. En 1962, donc j'imagine que ça se passe avant. Et donc c'est abordé dans une discussion entre deux personnages comme un obstacle à leur relation. Peut-être ça pourrait être un peu creusé. Comment c'était vécu, le fait que ce soit vraiment illégal. Bon, je sais pas. J'ai pas fini le livre, donc je peux pas trop me prononcer sur... sur ça, mais en tout cas je trouve ça très bien. Ce matin j'ai dévoré je sais pas une centaine, ouais peut-être pas 80 pages et je l'ai pas lâché et voilà, du coup j'aime beaucoup, j'ai hâte de le finir, j'attends le plot twist à la fin. En fait ce que je trouve aussi de bien fait, c'est qu'il y a des plot twists dans le livre qui sont assez énormes et qui pourraient être des plot twists de fin un peu. Genre la question centrale, enfin qui donne l'impression d'être la question centrale dès le début, c'est Evelyne, elle a eu 7 maris, mais qui c'était l'homme de sa vie, qui était l'amour de sa vie. Et en fait, à cette question, on y répond assez rapidement, en fait, avant la moitié du livre. Et ces plot twists qui sont assez gros, on se dit, s'ils sont déjà résolus maintenant, qu'est-ce que ça va être le plot twist de la fin? Donc j'ai vraiment hâte de lire la fin. Bref, maintenant, il faut que je vous raconte du coup ce qui s'est passé hier. Donc... je suis allée avec Sarah et Zachary dans un super petit café, ça s'appelait le Pont Traversé, dans le 6e arrondissement. On est resté de 14 à 18h15. Ensuite on est allé manger un bout et après Sarah m'a accompagnée jusqu'au théâtre de Paris où étaient représentés les producteurs. Franchement, j'ai eu le sourire pendant 2 heures, jusqu'aux oreilles. Je m'étais dit que je verrais assez bien normalement parce que même si on est tout devant en général, si la scène est plate... On voit à peu près tout, même si elle est devant nous comme ça. Mais en fait, il y avait un espèce de rebord devant la scène, comme ça, qui faisait que les pieds étaient cachés. Enfin, genre, je voyais pas forcément en dessous des genoux. Donc, pour les numéros de claquettes, c'était pas très pratique. Mais sinon, c'était vraiment incroyable. J'ai été choquée du niveau des acteurs. C'était vraiment assez éblouissant. C'était un spectacle pétillant. C'était pas... tragique ou quoi, c'était vraiment une comédie et c'était vraiment chouette de voir autant d'énergie et tout et de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une pièce aussi vieille, enfin les producteurs, c'est un film des années de 1967 et la comédie musicale elle date de 1968. Donc en fait pour ceux qui connaissent pas du tout l'histoire, l'histoire est censée se passer dans les années 50, quelque chose comme ça, très peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. Le personnage principal qui s'appelle Max Bialystock, c'est un producteur qui vient de produire une pièce qui a complètement fait flop. Du coup sa carrière se retrouve anéantie, mais il est déjà un peu vieux et tout ça et il a été habitué à vivre dans le luxe. Et du coup quand sa carrière s'écroule, il va être ruiné et il commence à paniquer et il engage un comptable. Et en fait ce comptable qui lui a toujours rêvé d'être un producteur mais qui s'est plutôt rangé dans une vie sérieuse de comptable, s'est rendu compte qu'un producteur pouvait en fait faire beaucoup plus d'argent en montant des shows qui flopent qu'en montant des shows qui réussissent. Ils font un espèce de pacte, Max du coup va pouvoir gagner beaucoup d'argent et Léo le comptable va pouvoir enfin devenir un producteur. Donc ils passent ce pacte et ils se mettent en tête de créer la pire pièce possible pour être sûr qu'elle fasse faillite. Donc ils vont lever 2 millions de dollars en investissement et puis faire une pièce qui flop pour ne pas avoir à les rembourser et pour pouvoir garder ces 2 millions pour eux. Et voilà, je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler si vous voulez encore aller voir le spectacle, je crois qu'il reste quelques dates, ou si vous voulez regarder le film. J'y suis allée complètement à l'aveugle, je connaissais pas l'histoire ni rien, et j'ai trouvé ça assez drôle.
drôle. C'était vraiment chouette. Et ça m'a fait plaisir de voir que c'était possible en France aussi de monter des vraies comédies musicales, quoi. Et que ça réussisse, parce qu'en fait ils ont relevé le rideau 6 fois à la fin, enfin les gens ils ont applaudi pendant un quart d'heure, c'était vraiment trop bien l'ambiance à la fin. Je me suis dit, ah, ça m'a fait vraiment plaisir de voir que quelque chose que j'aime autant peut faire aussi de l'effet à des gens qui s'y connaissent pas forcément. Du coup ça m'a fait très plaisir, et c'était vraiment très bien. Can't even walk outside without the sweetness of her scent around. Can't stop her now. Planted her roots deep in the ground.